Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va Ça va très très bien et toi Ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le fameux Spinter Twin, le Témur Loutre combo. Et oui, oui, toi viewer qui commente incessamment pour avoir des loutres, ça y est, tu as un deck loutre. Alors c'est pas ça Tribal a, Loutre là. parce que Tribal Loutre en fait elles ne se buffent pas forcément entre elles. Elles aiment bien juste avoir plein de petits spells. Et ben on a joué, on va jouer aujourd'hui la Reine des Loutres, le Fender, ou le Roi des Loutres, je ne sais pas, Fender d'Orage. Un cas de célérité pour 4. A chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, créez un jeton qui est une copie du Fender d'Orage et exigez ce jeton au début de la prochaine étape de fin. Du coup, on va essayer de faire un milliard. Si vous avez vu la vidéo de vendredi, vous savez de, de quoi on parle. On va essayer de faire un milliard de loutres en jouant plein de petits spells. Et vous allez dire Mais comment vous jouez plein de petits spells et tout Il va falloir beaucoup de mana Non, parce qu'on va jouer Vitalité Perpétuelle. 3-3 vigilance pour 3 qui euh, revient quand elle meurt en sous forme d'enchantement. Et son effet, c'est que les créatures que l'on contrôle ont engagé là, euh, ajouté un mana de la couleur de votre choix. Donc, comme ça, la célérité, euh, la loutre et les tokens qu'elle fait, puisque ce sont des copies, on peut tout de suite faire du mana grâce à la vitalité perpétuelle. Ce qui veut dire que dès qu'on joue un spell, on crée une deuxième loutre qui peut refaire du mana. Avec cette deuxième loutre, on va faire du mana pour rejouer un autre spell qui vont faire. 2 loutres, puis 4 loutres, puis 8, etc. Et ça fait énormément de petites loutres. Énormément de mana et, et donc énormément de. Au bout de quelques spells. On n'a pas besoin de buffer le board. Hein. Au bout de quelques spells, on joue, euh, on attaque pardon, avec toutes nos loutres et l'adversaire est mort. Euh, S'il n'y a pas d'interaction, bah ça fait 2, 4, 8, 16, 32. Généralement à 32 déjà on a l'étale. Euh, mais, euh, mais au pire, on rejoint un petit spell parce que une fois qu'on a euh, 4 loutres, on a suffisamment de mana pour faire plein de trucs. Et le deck est composé uniquement de spells qui vont creuser dans la loutre ou dans d'autres spells. Plaisantin, donc l'aventure qui va meuler 4 et prendre un éphémère en rituel. Dites son nom qui va meuler 3, reprendre une créature ou un terrain. Donc là, c'est pour trouver la loutre. Euh, Druid Enquête qui va exiler 2 cartes. Saisie de cache qui va meuler 4 pour trouver un permanent. Donc. Potentiellement Fender d'orage ou la vitalité perpétuelle. Passe-passe euh, qui va re regarder deux cartes dessus en prendre une de notre main. Analyser le pollen qui peut soit aller chercher un terrain de base, soit aller chercher une créature ou un terrain si on a euh, rassemblé l'épreuve 8. Euh, cessation qui est un petit cantrip trip. Et ça, parce bah, bah, qu'on joue dit de son nom, donc on peut cheater un 9-9 piétinement, potentiellement tôt dans la partie. Ce qui peut être une condition de victoire alternative. Euh, le deck, c'est très combo-ish, hein, à part euh, Altanak. On va juste combo, euh, c'est comme ça qu'on va kill. Et, euh, et on joue très peu de land, dans on en joue 20 pour justement maximiser le, les chances de trouver des spells. Ouais, euh, le, le deck, euh, ouais. Je, je précise quand même, le deck vient de Yeoman5, euh, qui travaille pour Infinite TCG Player. Euh, c'est lui qui a posté cette version-là, que je trouve vraiment très puissante, vraiment très bien montée. Je précise que le deck, il est... les gens pourraient penser que c'est un peu de junk. Ah ouais, il faut faire Vitalité et fendeur d'Orage pour ensuite faire Boui Boui. Je pense que le deck, il est extrêmement résilient, extrêmement puissant. Ta vitalité, elle ne peut pas se prendre en Tibet parce qu'en plus, derrière, elle revient en enchantement. Il faut qu'elle soit exilée ou qu'elle soit gérée deux fois. Et pareil pour la loutre. En Tibet sur loutre, ça ne fonctionne pas parce que tu as déjà créé une copie en jouant en éphémère. Donc, c'est une combo deux cartes dans un deck qui, les deux cartes, nécessitent d'avoir plusieurs interactions pour les disrupter. Mmh. Je, je m'essaye à un col comme ça. Je pense que ce deck sera joué au World. Voilà. Oh, stylé. Je pense, je pense que c'est extrêmement puissant et que ça mérite d'être bien tuné et bien approfondi. Avec une version plus approfondie, peut-être En l'état, je pense que c'est euh, un peu, un peu casse-gueule et disruptable, mais euh, à voir. Là, on est sur la base, mais je pense que même dans cette version-là, c'est quand même assez bien buildé. En fait, si on arrive à une version on peut facilement jouer Vitalité, Fender enfin, d'orage dans le même tour et partir en, en couille, euh, pourquoi pas Mais j'ai l'impression que euh, si Vitalité, parce que c'est ça qui fait que le deck est jouable, ça devient un problème, c'est assez facile de gérer ça. jusque là ouais, a tiré dans le format, mais je... je... Ouais. J'ai beaucoup d'espoir dans ce deck. On verra, on verra. En side, on a dans la gueule de la marée, euh, qui permet de renvoyer une créature, un désert contrôle dans la main, euh, potentiellement euh, un permanent non-terrain si on fait cadeau d'un poisson. Aspirateur à fantômes, c'est pour les cimetières. Negate, on connaît. Carbic, c'est un pyroclasme, on connaît. Déchiqueté aussi. Chine aussi. Explosion, voilà, c'est une petite brasse en IZ, ça fait plaisir. Let's Gong. Euh, deck tech un peu plus long que d'habitude. En même temps, le deck est un petit peu particulier. C'est important d'expliquer comment il se joue, etc. Parce que on va peut-être pas réussir à faire la combo notamment dans la vidéo, même si on va tout donner pour. Euh, merci aux sponsors, Plain by Magic Bazar, code Valley 2021 2024. 2021, c'était vieux ça. 2024 sur leur boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires Ça nous soutient quand vous l'utilisez. Merci à tous. Et merci à Ultimate Guard. Lien d'affilée dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur la scie, vous faites vos petits achats, vous recevez ça chez vous. Ça nous a soutenus Et ça leur montre que vous nous soutenez. Merci beaucoup. Go. Merci à tous et merci à la Belle Carte qui sponsorise cette vidéo. La Belle Carte, c'est notre société. On est quatre fois par semaine en live sur VOCT à partir de 18h sur des shows de cartes à l'unité ou de multi-TCG. Donc n'hésitez pas à passer avec le code La Belle Carte. Vous aurez 10 euros offerts dès que vous créez votre compte VOCT. Le lien est en description. Et donc La Belle Carte sponsorise ce, cette petite vidéo. Pour ça, c'est très simple. Il vous suffit de mettre un pouce bleu, d'être abonné à la chaîne, de partager dans l'espace commentaire. On tire au sort un commentaire et vous recevez un magnifique petit booster morne brune. Donc voilà, merci à tous ceux qui participeront. Bon courage à vous. Bonne chance. Oh le code de la belle carte qui régale. Ah, le code de la belle carte sur Voct. T'as jamais téléchargé Voct Déjà, tu peux venir nous voir en show vendre des cartes de qualité. Et en plus de ça, t'as 10 euros offerts. Quel plaisir. Quel plaisir. Un joue contre Ritkena. on Je joue en premier. Ouais, on a nos landes et euh, de quoi aller chercher le la loutre. Enfin, les bon, deux pièces les plus vas. importantes. Je vais pas utiliser ça pour l'instant. Saisie de cache. Je vais juste gorge. 20 tours. 20 tours, j'ai dit. Oui, t'as assez de lente pour analyser le pollen. On s'en servira plutôt pour euh, pour aller chercher une loutre. Mm. Ah Oh Je sais très bien ce qu'il fait le poulet. On a du side contre lui. Ok. Est-ce que j'ai des trucs à aller chercher, main deck A part euh, non, non, main deck, on est vraiment full combo, je pense. Ouais, j'ai un peu d'interaction, mais... Ah, il joue la version Jeskai, euh, ok. Ouais, tout, tout le monde maintenant, c'est ah, okay. la norme. La version Boros n'existe plus. Ah ouais Il me semblait que j'en ouais. avais vu encore. Parfait. C'est Jeskai qui est présent dans tous les tops, et Red Duke le classe comme deuxième meilleur deck du format dans sa tier list actuellement. Ok, ça a pris des nouveautés avec euh... brune j'ai pas vu Non, je j'ai pas... pas vu de nouveautés. Il y a des gens qui parlent de la Vagabonde qui serait peut-être testée dedans. Ok. Ok, si il nous tue pas trop vite, lui pour le coup il interagit assez peu. Donc il mmh. pourrait nous laisser faire nos bêtises. Je crois que je vais Nit Essence là. Hein je crois que tu vas Nit Essence. Tu risques rien. Au pire, s'il si la gère, bah, elle sera encore là. quoi. La puissance de la Nit Essence. Il s'est peut-être adapté avec déjà des de gestions, mais. Main Deck, ça m'étonnerait quand même. C'est pas un deck, je pense, qui est extrêmement je, populaire. Je sais pas si ce deck l'autre, euh, il est si populaire pour l'instant. Je ah sais pas ouais. si les gens sont adaptés à ça. Je pense pas. Enfin, pas Main Deck. Heureusement qu'elle est 3-3. C'était 2-3 ou 3-2. Si prenez cut ouais. c'est plus chiant. Que cut down dans une autre interaction, c'est assez facile. Il se Il nous prépare une sauce là. Ok. okay. Bah là en vrai, euh, tu trouves déjà une loutre et tu, fais, tu faisais déjà n'importe quoi là. Je pouvais commencer un peu, ouais. Bah, je pense que loutre, c'était gagné là avec ta main. Bah loot, je faisais un passe-passe, j'en crée une deuxième Un autre passe-passe et après c'était fini S'il avait pas removal en réponse Je pense que je pouvais partir, s'il avait un removal et... c'était dur Exactement Ouais mais je pense, je pense qu'il joue pas, euh, Boros Convoque joue pas de removal euh, instantané Est-ce que je tente 3 points Est-ce que tu tentes 3 points Oui oui je pense que tu tentes 3 points ouais. et, fin de tour. et maintenant faut que tu trouves loot le plus vite possible Donc tu peux pas analyser le pollen Mais tu peux commencer par passe-passe Je peux faire un passe-passe et passer le tour En fait l'idée c'est de tuer le tour d'après Bien. Ouais. Euh, il faut, non, je pense qu'il faut que tu analyses le pollen euh, vraiment pour être sûr d'avoir l'outre euh, ce tour Enfin le tour d'après. Mais il faut attendre d'avoir euh, de quoi collecter 8. Ah. Donc ah oui, non. Je croyais, en fait moi mon plan c'était utiliser un mana, parce que j'en ai 5, puis faire 2 spells en éphémère à, à deux. Mais du coup si tu voulais analyser oui. le pollen dans le tour, il fallait d'abord que je fasse ça pour euh, le débloquer. Là j'ai niqué un bac ouais. en fait. Ah, ouais, du coup, Donc, oui, euh... c'était pas, pas ça le plan. Ouais. Okay. Non, non. Du coup, là, je le fais maintenant. C'est pas très grave, hein, mais. Un peu dommage. Je reprends un land vert tout café hein. et Là, je peux analyser et, le pollen. Et là, du coup, tu fais analyser le pollen. Et normalement, le tour d'après, ça devrait être gagné. Zou. Quoi Ah, merde, j'ai pris un mana rouge. Quel con. Je me suis trompé en engageant le mana. Euh, Deux. 4, 6, 8, 8. 9. Ah ça a engagé ta vitalité Ah bah ouais. Euh, ouais parce que j'ai mal engagé, j'ai pas fait gaffe. Je, je crois que tu ne seras pas mort à moins qu'il fasse fin de tour... Attends, quel est le scénario où il te tue là Comment il te tue de toute façon, je peux plus Fin en de tour double tour. token, ok c'est bon. S'il n'y a pas fin de tour double token, Into imodan, tu prends, tu prends pas 18, jamais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, je ne prenais que 14 sur euh, Token Nouble Imodan. Il fallait qu'il mette un. Non, même avec un 2-1 pour 1. Plus Imodan, il, il me ouais. tue pas. Donc, t'es relativement safe. Et là, s'il n'a pas d'interaction, tu devrais pouvoir partir le tour d'après. Mais effectivement, du coup, on a perdu un passe-passe pour partir. Mais ouais. ça devrait quand même le faire. Ouais, vu qu'on a ça, ça va. Ok, testons. L'outre. Euh... Quoi non, je vais faire passe-passe. Donc. Euh... Ah ça marche plus pour annuler. annuler tu veux plus Undo. Ok dommage. Bon c'est utilisé mon bleu du coup. Qu'est-ce que tu caches dans ta main, Ah ça joue ça. Bah à la base non mais visiblement lui. Mais lui joue oui. ça. Ok. Ouais. Bon c'est pas grave, on est toujours pas mort. On fera juste fin de tour de rue d'enquête, je crois. Fin de tour de rue d'enquête, ouais. Ok. Écoute, faut juste retrouver une loutre maintenant. On a le deck aggro, visiblement. <laughs> J'avoue que je m'attendais pas à... Normalement, on contre. Ouais ouais moi non plus. Après c'est un contre qui fonctionne bien, je pense que c'est un contre ouais. que tous les Jetskay convoque ont dans leur side. Peut-être que lui en début de format, il s'est dit oula, le format il est un peu combo-ish. C'est pas, pas, pas inintéressant. On a de la chance qu'il nous fasse pas une sortie très agressive en fait. Ouais. Je vais commencer à taquiner un peu la belette. Ok, 5 points. En vrai, on s'en fiche un peu. Bah, si ce n'est que ça, son potentiel d'agressivité, ça va, quoi. Mm. Allez, loutre. Loutre ou analyser le pollen, hein, cela dit. Euh... Je peux reprendre la loutre. Ça, ça arrive d'étape Ouais. Non. Ah euh, non. Je crois que si tu reprends la loutre, ça fonctionne. Je peux essayer s'il joue plusieurs contre et qu'il les a. Bien, oui, je vais prendre ça dans ma main. Euh... Je ouais passe... avec l'autre tu payes ton passe-passe. Faut, ouais. faut, faut être chaud mais... En vrai ça se tente. Ouais j'y vais hein. Ouais ouais tente. S'il a encore contre sort, c'est pas grave. C'est la vie quoi. Land ou spell à 1. Ouais. Sur les deux cartes du dessus. Spell A2 et Land Tap. Ah, c'est abusé, quoi. Bon, bah, Spell A2. Euh. Ouais. Spell A2, t'as déjà Land Tap. Putain, c'est dommage, c'était pas trop dur de trouver Land -spell à un. 4, 5, Cela 6. Cela dit. 6, 6, euh... 4, 5, 6, 7. Hmm. Je vois pas trop le monde tapé. où on meurt pas, mais bon. 8, 9. 8, 9, ouais. Franchement, on a pas de chance, hein. Non. Ouais, Effectivement, on se prend contre et on trouve rien au-dessus, malheureusement. Voilà, c'est le deck qui nous chie dessus pour le coup. Oui, oui, complètement. Euh... Moi, tu vas rentrer juste des brasses ah, quoi. C'est le deck qui nous chie dessus et en même temps, on a waste un passe passe. Hein. C'est un peu notre faute aussi. On a euh... waste un passe passe qui nous aurait fait gagner ici. Ouais, il nous permettait de creuser de 20 de plus. Donc, ouais. de oui, mais du coup, tu est... Bah ouais, mais en fait, juste en creusant deux de plus, tu avais loutres, donc du coup, tu débloquais toute ta main, donc c'était fini, c'était gagné. Alors contre lui Allez, 3... 3 pyroclas, ouais, et 3 mais 2... Et deux vrais à 4. J'ai l'impression que c'est même trop lent contre lui, mais on va essayer. Et je crois que c'est tout. Mmh, ouais. C'est le genre de deck, si tu sailles de trop, tu... Tu... Ouais, tu... Ouais, ouais, tu affaiblis ta combo, je pense que tu peux enlever du coup le 9-9, on s'en fiche. Mmh. Tu peux enlever les cessations. Tout ce qui est cantrip un peu mou, t'en euh, ouais. Et j'enlève quoi d'autre tour c'est pas très bien hein, contre lui. Si, c'est bien. J'aime bien, moi, si je peux tuer le tour 1 à chaque fois, ça le retarde forcément d'un tour. Moi, j'enlèverais un truc genre euh, Druid Enquête, Dites son nom, saisie de cash Une de ces, ces cartes-là. Ouais, ça creuse moins bien que les autres. Ok, bah voilà. Dites son nom, tu... c'est la seule carte qui permet de reprendre du cimetière. Ok, ok. Je pense qu'il faut garder les 4. Un petit Torch Tower dans les, euh, dans les premiers tours, ça, ça te fait gagner du temps. Pour ça, ça tour oui. Moi. Et comme je me disais, si on l'a pas autour 1, et du coup, si tu réfléchis comme ça, tu peux cut les 4. Euh, Jean premier. Ah bah, on a incendié la tour. On n'a pas de mana bleu, mais c'est pas grave. On a analysé bon, le poème. On a analysé le poème. Vas-y, c'est ça C'est très bien. C'est très très bien. Toi, toute façon, ton passe-passe, tu veux surtout le faire quand tu pars. Et là, du coup, c'est incendié la tour direct. J incendie directement la tour. Et ça veut dire qu'il peut pas faire de chevalière autour d'eux. Hmm. Même s'il a euh, le, le oh. fameux spell, tu fais un analyser le pollen là plutôt qu'un dit de son nom Ouais, dit de son nom, je peux. En fait, si je trouve pas de land sur les 3 plus 1. Ouais, ok, non, mais vas-y, analyse. Ça. Analyse dans ce cas-là. Si t'as peur de, de ça. Ouais. J'aurais pu analyser avant de lander, c'est pas grave. Je suis une île. Ah, ouais, peut okay. pas de si quand même. Dommage. Tyroclasme déjà inefficace. Ouais, il sera efficace sur le reste du board quoi. Hum. Petite vitalité, tranquillou. là il doit avoir de quoi la, la gérer. Peut-être qu'on aurait pour du tyroclasme quand même pour qu'il fasse pas chevalière, parce que là il peut faire 3 manas, convoque 2 chevalières. Ouais, il prend pas Imodan s'il fait ça, ça me va. Ouais, ok. Ouais, le plus chiant, c'est voilà, s'il a d'autres bêtes into Chevalier. Et encore, du coup, s'il fait bête, 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 Chevalier, bah, Pyroclast me sera plus intéressant. Là, pareil, hein, tu à une loutre de... En fait, ce que j'aime dans cette version par rapport à la version de Jules Midrange, c'est qu'en vrai, euh, dès, dès que t'as euh, Vitalité et loutre, tu pars quand même assez facilement. Quoi. Ouais, il manquerait un land là. Si j'avais le land plus l'autre. ah oh, c'est pile chiant là. Il a mis juste un peu de bête qui meurt pas non. sur pyroclasme. C'est cool parce que tu fais pyroclasme plus incendier la tour. Il aurait reste que la chevalière. Je trouve c'est vraiment fine comme spot. Je peux aussi attaquer, voir s'il me bloque. S'il me bloque, dans ce cas là, je peux faire pyroclasme incendier. Il a plus rien. Vas-y, fais ça. Puisque tu as une deuxième vitalité. Ben voilà. C'est même pas si chiant, tu vois, en vrai. Ah non, mais c'est là-dessus qu'il fallait faire quel con. Oui. Et je, oh je, je m'en suis même pas rendu compte quand tu l'as fait. Bon, oh c'est pas con. très grave. Ça oh, je suis pas concentré là. Euh. -ce que je le... Ouais, je le fais quand même, je pense. Ouais, ah, tu le fais quand même, tant pis. C'est juste qu'on tu... lui laisse un potentiel de dégâts. Ah, et surtout qu'en plus, on lui laisse la gardienne, alors que c'est celle qui grossit, quoi. Et j'ai pas landé, donc je vais pas se passe. Ouais. ouais on s'est un peu planté là-dessus, c'est pas... pas très grave. J'ai 21, ouais. Euh, je me suis embrouillé là sur le truc. Ouais, en plus, je t'ai même pas stoppé. Hein. J'étais en mode, ouais, vas-y, fais ça, ouais. Ça vole. Si tu as double vitalité, ça dédouble le mana que Non, ça, ça, ça se cumule. Non, pas, ça je donne crois. la capacité. Donc, euh... Ouais, ça change rien. Ils ont deux fois la capa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, nous sommes décédés si je ne mets pas de bloqueur. Donc tu peux faire druide enquête et déposer un druide enquête selon ce que tu trouves. Ouais. Ah, Ça me coûtait un PV cette histoire. Ça me coûtait deux PV cette histoire. Je crois que du coup on est mort quand même. C'est ballot. Hein J'ai l'impression que les deux games on peut les. Tu vois, il y a un truc de. On manque un peu de pratique aussi quoi. Ouais, ouais. Ah ben Là, je... je dois lui tuer ça hein, et je fais de la merde hein, littéralement. Ouais, et ouais. la première, c'est le passe-passe. -pass. Ouais, et le la première, c'est le passe-passe. -pass. Mais comme quoi, tu vois, contre un deck qui est genre un des meilleurs decks du méta, je trouve qu'on n'est pas du tout ridicule avec, euh, avec le deck. J'ai ouais, ouais. l'impression qu'on perd de nulle part avec ce deck là. Ouais, en plus qu'on pioche pas nous l'autre pour le coup. On doit aller les chercher. Il a pas l'étal en l'état. Il a pas fait ça fin de tout. Il voulait vraiment tuer le truc Attention poulet. Attends, si je, peux... Ah non, je peux prendre. non, je peux pas prendre l'œuf. Si je pouvais prendre des dégâts, ça me gardait un malade ouais. plus avec vitalité. Mais là du coup on est... là on est mort du coup. Le problème c'est tous mes putains de landes qui m'ont enlevé genre 5 ou 6 PEV. Ciao Ok, c'est pas grave, on ah, fera fait une sur la erreur prochaine. et on trouve que des pays de land, ce qui est aussi très relou contre aggro. Ouais ouais. Allez on enle ensuite. Enfin, on fait une erreur hein, parce que je t'ai pas corrigé sur le moment quoi. Euh... Je sais pas à quoi j'ai pensé. On a perdu les. En fait, c'est un deck qui est fort et qui est dur à jouer. On a ouais. perdu les deux games parce qu'on a fait deux bêtises. Et ça, moi, du coup, ça me donne confiance dans le deck, tu vois. Ouais, grave. Non, mais c'est sûr qu'il peut partir de... de nulle part. Moi, ma question au ouais. début de la vidéo, c'était genre à quel point les decks ils vont pouvoir gérer facilement euh, Vitalité. Euh, euh, Anita bah, il faut de l'exil, quoi. C'est spécifique. Il faut de l'exil, ouais. Mais de l'exil de bête ou de l'exil d'enchantement. C'est pas trop dur. Malheureusement, euh, Wizard en imprime de plus en plus. Enfin, les oh, gens, raison, ils vont jouer je sais Thunder, mais je, je fais confiance au deck pour être plus résilient ou alors pour que les gens puissent avoir des plans un peu transformatifs. Ouais. Ça, en tout cas, j'ai une intuition comme ça. Genre on commence à avoir de l'expérience en standard. Ça a une gueule de vrai, vrai deck. Hum. Ouais, C'est clair. Genre, tu deux cartes. Une fois qu'elles sont là, tu es quasiment sûr de partir de manière un petit peu déterministe. Et en plus de ça, les deux cartes que tu elles sont pas facile à disrupter bon ok moi il m'en faut pas plus pour y croire quoi ouais ouais à la combo D c'est cool, cool ouais. déjà il y avait des dés plus... qui essayaient un peu d'utiliser de de, la loot refondorage là euh, ouais. en, à la place de de faire full cantrip c'est un de tes derniers cantrip c'était un, un buff genre plus de plus 0 à tout parce que ouais. t'as largement de loot pour le payer et du coup bah, c'est comme si tu multipliais tes loot par 3 ouais mais du coup ça te demande de jouer des comment dire des mauvaises cartes ou euh... mauvaises cartes ouais pour kill c'est ça. Alors que là, dans l'idée, tu veux juste des, tu veux juste des cartes qui assemblent ta combo, quoi. Ah ouais. T'as que des cartes de consistance là, et c'est ça qui est cool. Mmh. Est ce qui manquait au deck, oh, c'est de pouvoir partir dans le tour où tu ou l'autre. Et là, tu peux. Et là, tu peux, ouais. Enfin, ah, c'était sûr qu'ils avaient un plan pour cette loutre en même temps. Elle était trop designée d'une manière. Ouais. Ah, c'est cool. J'aime bien que le deck. Oh bah tiens, retag. On sait ce qu'il joue. Et eh bah, eh bah ça Memo me va Ligan. très bien. Avoir le... La revanche. D'avoir la revanche, ouais. Cette fois-ci, on va pas faire de bêtises. Oh, on va mouliganer cette main, par contre. Bien. Mmh, on va chercher okay. on va en... Ah, il veut pas jouer contre nous. Bah alors, il en connaît. Fait... Un... Attends, ah, attends. Je il... full bug, genre... Ah, je croyais, croyais qu'il avait quitté pour qu'on saille de mal et qu'en fait, il est pas le même deck. What the fuck Ok, il va très bien le jeu en ce moment. Tout va bien, mais vous que inquiétez le pas. C'est l'OPO qui a concédé. Bah, ça m'a même pas mis victoire rien. J'ai cliqué sur voir le champ de bataille, ça m'a quitté. Ok, ok. Je croyais que c'était un plan stratégique de Rilkena qui se dit Ah, ok, il pense que je joue encore Boros Convoque, du coup, je enfin je quitte la une, il passe au side, il side comme une merde et je l'explose, tu vois. Je dis, mais en fait, c'est un plan de merde de faire ça parce que derrière, il y a une game 3. Je pense que non. Je, sais pas, je voulais trouver une raison cohérente au fait qu'il concède et j'en avais pas d'autre. Mais c'est quoi la probabilité de taguer deux fois le même adversaire Genre début standard, il y a plein de gens sur le l'adder, pas, pas, pas assez visiblement. C'est qu'on doit avoir un elo très proche. Ouais. Oui, parce qu'en plus le jeu a cherché un peu longtemps. Ouais. C'est qu'on doit avoir un elo très proche et qu'il n'y a pas beaucoup de gens connectés. Et Rilkena, il a dit non quoi il a dit Rilkena, oui, là, il je, l a l a dit, je pas. pas contre vous. Ça c'était chiant, pas... c'est non. Pourquoi en fait Il s'est dit, même si je la gagne, ça va me prendre du temps. Donc autant non, mais pas perdre si une game et en Il l'aurait pas gagné. Il savait. Il a su. Il s'est dit, ah, si je faisait pas de la merde à la 1 et à la 2, <laughs> je me faisais 2-0. Ah, Rain MTG. Ne concède pas, je t'en prie. On a le toss. Je suis le premier. Je suis pas mal. Je suis pas oh, mal du tout. C'est très bien même. Je vais chercher un mana bleu tout de suite. Ouais, et en, et en vrai même, de toute façon, tes passe-passe, t'es pas ob obligé de les faire en early game. Mais... Non, c'est juste pour l'avoir. Là, je vais faire ça, euh, ouais. tour 2, j'espère faire tour 3, vitalité. Tour 4, Fondeur, et Parce que et finalement, quoi. le deck, il est grûle quoi. Tu peux partir en combo sans mana bleu, en fait. C'est à ça que je pense. Parce ouais. de toute façon, après, tes loutres, elles font de la couleur que tu veux. Ah, c'est vraiment stylé. Franchement, il est trop stylé ce deck. C'est sûr qu'il y a un que truc à faire avec. Petite gorge. Ouais, dommage, ouais. Je peux pas trouver vitalité, mais je peux la trouver à la main. Donc, si je dois faire des passe-passe pour trouver ma vitalité, c'est un peu relou, mais. Ouais, c'est un peu chiant, ouais. Complètement. On le fera. Ah C'est pas grave, t'as des torches tower. J'ai des torch tower, ouais. Pour savoir hein, beaucoup de cartes à trouver. Ouais, mais comme ton deck ne fait que creuser, ça devrait se passer. Gorge. Je tu fais druide fin de tour, tu passes. Je me demandais si je faisais un passe-passe, mais non, c'est seulement prendre pas, hein. Discard, donc... Euh... C'est ça. Comme ça, là, s'il si te fait Discard, tu fais OK, Druide, fin de tour, et t'es Discard-proof, quoi. OK, ouais, genre, Hors of Agro, deck que j'aime bien, mais un deck qui est de l'ancien, enfin, entre guillemets, qui a pas forcément pris de ce monde en compte. Le deck de l'ancien temps. Ouais. Bon, OK, un deck cool, hein, cela dit. À jouer, il est trop bien, ce deck. Ah, c'est dommage, ça te laisse pas rouge pour Torch Tower. Pas grave. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, J'ai pas capté. Euh, ok, je peux le faire dans le vent. Ça, hein je peux faire deux mana, piocher ouais. une carte, deux points Alors, de vie. Tant qu'il te met pas de pression, toi, du monde, t'avances vers l'assemblage de tes cartes. On s'en fout un peu de ce qu'il fait. Hein. Je paye avec un bleu. Hein je vais pas faire passe-passe dans le tour, je pense. Non, je pense pas. Confirme zéro. Moi, lui, nous, vous. Ok, petite gorge de linguivre On a la main euh, bien stack. Parce qu'avec ce deck-là, en fait, tu t'en fous un peu de tes PV. Tant mmh. que tu pars le tour d'avant-mourir, il n'y a pas de souci, quoi. Ouais, exactement. Euh... Bon, on va voir nos PV comme une ressource. Je peux faire ça, essayer de trouver une essence. Est-ce que tu veux développer ton druide en, en amont ou tu en as rien à faire Mais est-ce que bloquer ce 2-2, ça n'a pas non. de la valeur, ça te fait pas gagner des, du temps alors si je fais ça et ça, il sera 1-1. Parce que ça trigger que sur les spells autres que vert. Donc ouais, là, donc mon plan, c'est de faire ça pour trouver une nitessence. Ok. On va voir ce que je meule. Ouais, J'ai retrouvé une loutre. C'est bien aussi. Je crois que je préfère prendre loutre. Ouais, ouais vas-y, prends. Ça prend pas du reste, ça reprendra que chauve-souris je vais land tap et je peux faire ça en éphémère suis une petite carte ça me va ok tranquille on est pas pressé il met pas la pression enfin peu il met très peu la pression ouais je sais pas ça si ah, c'est un deck mid -range dynamique mais il y a quand même mid -range dans le nom quoi Donc, ça va oh le buzz et l'argent du buzz je l'adore parce que ça rend plein de cartes de standard totalement inutiles genre buzz -a, mmh. là Osef. ouais ah, ça, ça met des stats, quoi, voilà. Confirme 0 On va se une petite carte. Ouais, tu vas pouvoir commencer à faire des passe-passe, je crois, quand même. Hein. Euh, si on veut aller chercher une ouais. des idée spécifique, euh... bah, va falloir. Ça, ça creuse un de plus pour un de moins. Ouais, je vais quand même faire ça. Là, est-ce que je mets pas le petit druide Mais le petit druide, parce que Buzza, il commence à taper, hein. Là, je peux faire druide passe-passe et quand même jeu manite essence si j'en trouve une. Ouais. Oui, donc c'est le plan. Oh bête Ouais, ouais, c'est pas... c'est franchement pas très grave. Saisie de cache, ça va chercher une essence. Ou ouais. alors tu veux un doublon de. Mais je, je crois pas. Non, ça ira. Auré. ça me reprend des trucs non ça garde le je, je pense c'est plutôt saisi ouais, ouais. c'est en éphémère c'est en éphémère ouais ok super bah tu vois pas trop je au world jouer ce deck là alors t'as pas une photographie là mais le jouer bien tu vois si peut-être ouais pam pourquoi il a fait un petit poisson euh, rituel comme ça euh, Plutôt une montagne du coup. Bon, la, la nit-essence là, vous êtes relou. C'est-à-dire euh, que. Il y a 4 trop... quatre nid essence dans le... les 30 du bas. Ouais. Bon. On va trouver <coughs> au bout un moment. Voilà. Ah bah. Lol. Ouais, sauf et que là, là... On, est, on est dead. Ah non, t'auras un gros bloqueur. Je crois que là, en fait, comme t'es sûr de gagner le tour d'après, il faut que tu fasses nit-essence et prankster sur le bord du. En créature Ouais, je pense. Parce que ah, s'il si fait anti-bet, t'as perdu, quatre, non six, On est d'accord Ah non S'il euh, a... bah, si, si fait si anti-bet avec son land, on est mort. Donc, faut que tu plaisantes. Bah Après, c'est 1, 2, 3, 4 mana. Plus ça. Donc, il ça veut dire qu'il qu ait... qu fait land et un, une interaction à 1. Il, il fait land cut down. Et cut pas. down, ça tue pas vitalité. Ok, non, mais vas-y, alors si tu penses qu'on vit. Euh... Bah, normalement, on vit, parce que là, il ne fait rien. Ah non, mais attends. Ça coûte combien à activer Ça coûte 4, son land. Hein. Ça coûte 4, ouais. Ouais, ok, non, c'est bon. Mais 2 points de V à distance. Au pire, je bloque Beza Donc, je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vas-y, go. Et si je bloque ça, je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis pas mort quand même. Désolé, adversaire. Je joue pas un deck simple. Bon, et là, par contre, le tour d'après, il y a. Moins 3, moins 3. Ouais. Le tour d'après, normalement, il n'y a aucune raison. Ah, si la destroy Evil, c'est une catastrophe, par contre. Et voilà, le tour d'après, normalement, il n'y a pas de raison de ne pas réussir à tuer, quoi. Ok. Land. Ouais. C'est parti. Le fendeur. Je fends. Fends-moi cet orage, là, maintenant. Oh, c'est mon moment. Ah Ça m'a engagé un mana bleu sans aucune raison. Putain. C'est ce ouais, pas très grave, tu fais des manades de n'importe quelle couleur en vrai. C'est un peu chiant, mais c'est pas très grave. J'ai trouvé un autre éphémère non bleu, donc ça va. Donc là il y a anti mais c'est pas grave, tu prends ton... Je fais ça même en réponse. Il hein. faut bien que ça utilise la loot que tu vas perdre. Ouais. Oui. J'aurais pu faire bleu du coup pour ça. Il est détruit. Oui. Là, tu fais passe passe. Oh, quel plaisir. Quel plaisir. Ça y est, ça y est, je le vois. On y est. Oh, on y est. Euh, je vais prendre ça. Bon, maintenant, tu veux juste cantribe Donc, en tripe, donc en tripe ouais, et Je fais plein de spells. Le prankster. Qui creuse. C'est quand même du pur plaisir. Hein. Franchement, c'est des plaisirs. Régal. Ouais. La game plaisir. académique. Hein. On survit jusqu'au tour où on peut tuer. Et généralement, c'est le tour d'avant de mourir. Si tu tues plus tôt en combo, c'est que finalement, t'es parti trop tôt. Oui. J'en fais encore un petit pour le plaisir. Et on est bon. Oui, oui. Oh, bah là, tu peux... <laughs> Comme, comme si, si non, ça réponse. avait une, une importance fais gaffe il a à 26 hein, pas se planter non plus t'inquiète je vais en faire assez ouais tu vas en remettre un petit là euh, mange pas de pain oh, ouais, bah, j'ai un mana bleu en poule oh je Alors, me tue à la on meule la... on va pas laisser un mana bleu euh, traîner ça voilà. bête j'allais avoir 64 là euh, je pense que je pouvais euh, incliner contre lui bah, contre lui en vrai on s'en fout de ce qu'il fait On veut juste protéger notre propre combo Ouais Pyroclasme ça a l'air pas mal Ça tue ses chauves-souris, mmh, c'est 2-2 Moi je pense bronco. que c'est pas le plan Je pense que Torch Tower ça suffit Ah contre ouais lui. Il a Bronco aussi ouais. très certainement Je pense qu'on que sur le board On les rentre pas mais Ouais je pense que c'est pas trop ce qu'on cherche Je regarde s'il y a autre chose Je pense qu'il si rentre pas Pyroclasme, on rentre rien Peut-être negate pour protéger euh, contre interaction qu'il aura après side. Ouais, mais même, tu vois, interaction, ça marche pas en fait. Ah bah il va avoir des trucs pour exiler ou détruire les enchantements, je pense. Ouais. Mais faut qu'il ait anti-bet plus destruction d'enchantement. Ah non, juste le nouveau spell à deux là, qui est joué en side. Pour deux Texines Enchant. Ouais. Il le fait sur vitalité, elle est créature enchantement. Et... Oui, oui hein, bien sûr, bien sûr, il, doit, il a des, des possibilités, hein, mais est-ce que ça vaut le coup qu'on negate je, je, je sais pas si t'as besoin de negate défensif pas. dans ce deck là, quoi. Peut-être qu'on se trouve. Genre on touche rien dans ce deck. Je suis plutôt team de pass s'aider moi contre lui. Allez. Vendu. Plutôt team de s'aider c'est à lui de, de s'adapter, et c'est pas évident de s'adapter à nous, donc euh... S'il si peut pas s'adapter, tant mieux. C'est Ça... correct. Ouais. Ça creuse pas dans. Ça creuse mal dans nite mais bon. C'est pas mauvais. Disons qu'il va falloir euh, se meuler. Ah ben bah voilà on va se meuler pour ensuite analyser le pollen et chercher une essence Ouais. Ouf. Ouais, mais t'es bien discard-proof. J'aime bien quand même dans l'ensemble. Hein. Hum. Chauve-souris eh ouais, on s'en fout. Je saisie de cache. Il y a deux... Oh, nice. Il y a deux discards, le poulet. Ouais, mais pareil, on s'en fiche. Ah, genre, ça met pas de pression et c'est pas très très grave finalement. Okay. Il n'y a pas de discard. Pourquoi, Pourquoi il joue ça en rituel Je ne sais pas. T'as déjà la nitessence, tu préfères faire saisie de cache pour trouver un land Pour un intérêt ouais. Ok. D'accord, je super. Bon, ça ça va essence. très très bien se passer cette game. Je, je préfère te prévenir. Euh, il faut qu'on continue de tuer du bon jus, mais ouais. C'est bien là. Euh, le tour d'après tu peux pas tuer sur Fender euh, Il faut que j'ai un anti-bet, mais. Maintenant faut que t'aies un land faut que j'ai un land pardon pas un anti-bet mais t'avais s'il avait pas anti-bet euh, ça allait quoi ok euh, donc tu pourras pas bah, tuer si je pouvais faire un passe-passe -pass, ça me recrée ça ah oui parce que tu je pouvais pas passer t'avais gagné en fait s'il a pas anti-bet t'avais gagné il est trop fort ce deck hmm. après il n'est pas encore connu hein. mais ouais il est très bien bah analyse hein, puisque tu sais spécifiquement que t'as besoin d'un land autant aller chercher exactement ce que tu veux euh, bah je me demande si euh, passe-passe c'est pas mieux. Analyser c'est pas aller chercher une créature. Ouais, quoique. Moi je serais team analyser ici, mais je suis pas, pas arrêté totalement sur la question. Je prendrais une petite île quoi. Une île Ouais. Oh, t'es es full vert, t'as deux rouges. Et je ferais cessation ou druide. Un tour. Ouais, c'est ça. Là pareil, encore une fois, un Serpent d'Anti-Enchant, le tour d'après, tu tues, tu, mmh. donc... Euh... Mais je m'attendais à ce qu'il ait Destroyable, mais... Uh. Ouais, bah c'est gagné. Let's go C'est quoi le mieux Là, c'est de faire ça... Uf. Uh. Heureusement qu'on pioche ça. Et eh ben c'est parti. Passe, passe. Land. Nice. Euh. Une druide enquête. Ouais, là de toute façon, il peut plus rien t'arriver. T'as un milliard de mana avec des pranksters. Pureng Subturu. Euh. Dites son nom. Et là, bam, ah, quatre c'est fini. Je vais reprendre euh, Druide Enquête. Je vais incendier ça. Je vais recaster une loutre pour aller plus vite. Salut Eh fr franchement c'est ouf, je suis trop hypé. Je te le dis vraiment pour de ce deck. Euh, quand ça déroule bien comme ça, c'est un délice. Ouais, c'est très 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 fort. J'aime beaucoup. Cool. j'aime beaucoup Même le gameplay est un peu sweet. Il y... Ouais. y a cette sensation un peu de, euh, de boubouité, c'est-à-dire faire des country, piocher des piocheurs, mm. bien sculpter ta main, de phoenix un peu. Ouais. C'est vrai, il y a un, un peu ça, un... ouais. Il y a un délire de phoenix, quoi. plus que de Splinter Twin, qui était finalement un espèce de deck contrôle avec option combo. Mm. Euh, là, il y a plus euh, il faut essayer d'enchaîner les spells ouais. et en même temps, tu as un petit peu de résilience, donc euh, vraiment très cool. Ouais. ouais. Ah, on a aucune chance de blanc euh, pour faire une mise en demeure, par contre. Non mais tu le, payes avec, euh, tu le payes avec ta Nite Essence. Nite Essence c'est deux créa, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Petite recherche, juste. Euh, exil. Un enchantement. Je vais voir à quel point c'est facile de disrupt ou pas. Euh... Je pense que c'est facile de trouver des exils d'enchantement. Déjà, Tira Thunder, c'est l'exil d'enchantement le plus joué et il est fort. Ouais, ouais. Mais je pense que ça ne suffit pas à enterrer le deck. Euh, ça, ça exil. Non, ça suffit pas euh, en TLD que par contre tu te disruptes euh, largement. Quoi. Ouais, ça protégé par les fantômes sur Nité c'est fort. Ouais. Parce que sinon tu fais à 7 mana vitalité, euh, fendeur d'orage. Et fendeur d'orage, un spell à 1. En fait, 7 mana vitalité, fendeur d'orage, 2 spells à 1. Et tu pars en combo. Ouais, mais, mais bon, là c'est plus dur. Mana. Si jamais tu dois attendre d'avoir 7 mana, tu ne peux pas ouais. jouer une version proactive comme celle-là. Tu es obligé de jouer une version midrange comme la version de Jund, avec des interactions en amont. ouais. ouais. Non, mais ça, ça demande double interaction. Donc, à la une, tu fais vitalité, tour 3 dans Fender T4 et T7 partir. Et après, contre l'interaction, t'as et... un plan où tu deviens plus contrôle et tu ouais, pars T7. C'est ça. Je pense que le side sera retravaillé en. Où vous l'aurez en entendu ici, de ce deck est un vrai deck de standard. C'est sûr, quand bien même on peut le disrupter. Il ouais, n'y a pas des masses d'interaction non plus. Hein. Bah Je te dis, la meilleure pour moi, c'est Tira Thunder. Ça, ça attrape euh, toutes les parties de la combo. Donc. Euh... Oui, non, mais je regarde dans toutes les couleurs. Parce que euh, si un deck Boros, il n'a pas tiré Thunder, il peut rien faire. Les decks Boros, tu vois, seront éclatés par ça. Donc, je voulais voir s'il y avait au moins deux couleurs, ce qui a l'air d'être le cas, qui peuvent oui. gérer assez facilement la combo. Ok. Bon, après, c'est vrai que tu peux aussi te cheater un 9-9, mais bon, ça suffira pas, je pense. Ok, ouais, ça, et bah, peu peu très cool, cool ce deck. Très, très cool. Hâte de voir ce que les gens vont en faire, euh, avec les tournois notamment. Euh, s'il est. Euh il n'est pas, euh, pas sous-estimé par les joueurs euh, pros et, et qui mettent un peu de temps pour voir euh, ce que ça peut faire, ou alors s'il est testé et que juste ça n'aboutit à rien compétitivement parlant, la réponse, dans pas très longtemps, puisqu'il y a les Worlds, on nous ouais. a demandé d'ailleurs, euh, à la fin du mois d'octobre. Donc dans, ça. dans un mois, on sait. Donc attendez 2-3 semaines, voir si ce deck devient populaire avant de le crafter. Mm. On, va, on va vite le savoir. Ouais. Il est très budget pour le coup. Hein. C'est 4, ouais, heures, 4 la et la mana base, mais, mais c'est pas un mauvais euh, investissement, la mana base, donc ça va quoi. Ok, euh, fin de cette vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseau dans la description avec notre chaîne Twitch ValpL Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas, c'était de, de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.